Donc, la Journée pour l'avenir de la jeunesse, c'est parti, en fait, l'année dernière. C'est notre deuxième édition cette année. L'idée, c'est vraiment d'amasser des fonds pour les jeunes de la région de Saint-Hyacinthe. Donc, on a le camp de santé de Saint-Hyacinthe qui bénéficie des fonds amassés. La Fondation Saint-Hubert redonne à la communauté. Et également, cette année, on accueille à bras ouverts le Grand Galop de Saint-Hyacinthe, le Centre de pédiatrie sociale. Donc, vraiment, on touche tant les jeunes du plus bas âge, moins de 10 ans, jusqu'à 18 ans, et même une fois qu'ils ont passé 18 ans, les jeunes dans le besoin, la relève, on est là pour les aider. C'est vraiment l'essence de l'initiative de la Journée pour l'avenir de la jeunesse des Jardins. Alors, écoutez, mon nom est Marc-Aurel Ouellette. Je suis administrateur au camp de santé de Saint-Hyacinthe. Le camp de santé de Saint-Hyacinthe, ça a été fondé en 1946. C'est une mission incroyable, c'est donner une chance extraordinaire aux enfants d'ici de vivre une expérience de camp. Alors, ce qu'on offre aux enfants tout à fait gratuitement, c'est 12 jours dans la nature, sortir de la ville, vivre des valeurs humaines, hein, telles que l'entraide, la persévérance, la débrouillardise. Vous savez, on ne pourra jamais vraiment quantifier de façon statistique l'impact qu'on a sur les enfants quand on les envoie dans un camp de vacances comme celui-là. Mais j'en ai la conviction et je la partage, c'est une marque indélébile qu'on fait sur le parcours de développement d'un enfant. Christopher n'a pas voulu voler le punch, fait que je vais vous le donner. L'année passée, le camp de santé a réussi à envoyer 25 enfants de plus grâce à l'événement. Donc, faisons un peu de mathématiques. Une journée au Saint-Hubert, un midi, on a du fun, on jase. Un soir, on danse, on écoute de la musique. Ça fait 25 enfants fois 12 nuitées. Ça, c'est le nombre de jours. Pour nous, c'est une journée. Pour eux, c'est 25 fois 12. Alors, c'est comme une espèce de truc exponentiel, votre affaire. Je vais terminer en disant que, vous savez, les enfants du camp, ceux qu'on envoie, c'est ceux qui en ont le plus de besoin. Ceux qui, jour après jour, deviennent des adultes, malheureusement, beaucoup trop vite, mais qui ont une résilience dure comme le roc et qui vont garder cette marque d'aide, celle que vous donnez, comme un cadeau inespéré. Alors, merci beaucoup de participer. Je vais introduire Mme Christiane du Grand Galop pour nous parler de l'organisme Le Grand Galop. Merci. Bonjour, Christiane Dilala-Besnache, je suis directrice clinique au Grand Galop. Il y a deux semaines, j'ai reçu un appel d'une maman. Ça fait plusieurs années qu'on la suit. Elle était très inquiète. On suit ses trois enfants depuis plusieurs années. Elle est inquiète de Catherine. Catherine est à l'hôpital. Elle subit de l'intimidation et elle avait eu une agression qui a nécessité l'hospitalisation. Quelques jours après, on l'a rencontrée avec la pédiatre et l'école et on s'est toutes mis ensemble pour l'aider à réintégrer l'école. Des situations comme Catherine sont malheureuses, mais arrivent à Saint-Hyacinthe. Puis, c'est une enfant qui a 14 ans aujourd'hui et que le Grand Galop est un milieu de vie pour elle. Donc, elle vient aux activités, elle participe. C'est une enfant qui a des peurs depuis qu'elle est toute petite, mais avec nous, elle ose prendre la parole, pas tout le temps, mais souvent. Catherine a participé au camp santé. La première année, elle ne voulait pas y aller. Elle était très inquiète, elle avait peur. On l'a accompagnée avec l'éducatrice spécialisée. On l'a accompagnée jusqu'à l'autobus, on est venu la chercher après. Après, c'est un rendez-vous, ça fait 3 ans, ça va faire la 4e année qu'elle va au camp santé et elle attend ce moment-là. Fait que oui, on a besoin de partenaires, c'est toute une communauté qui peut s'occuper des enfants et qui fait une différence parce que ça apporte de la lumière, ça apporte le goût de faire, d'explorer. Et
Je me souviens, à la fin de Noël cette année, quand j'ai vu Catherine, elle est arrivée, puis elle s'est mise à courir pour aller rejoindre ses amis du Grand Galop. Ben, c'était, comme on dirait, c'était ma paye. C'est de voir ça. Fait que je veux vous remercier, tout le monde, parce qu'on a vraiment besoin de vous. On ne peut pas y arriver tout seul. Et puis, en plus, on a une super belle opportunité de faire ça dans les festivités. Donc, merci. Bonjour, Steve Deslauriers. Je pense que les gens me connaissent un peu. Fier franchisé de la Rotisserie Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. Je viens représenter la Fondation Saint-Hubert parce qu'à travers ça, on a pu créer cette journée-là grâce aussi à la Fondation Saint-Hubert, grâce à leur plateforme, grâce à leur infrastructure, qu'on peut se permettre justement d'amasser des fonds et redonner dans la communauté. La Fondation Saint-Hubert est une fondation qui tend à être connue de plus en plus, mais ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années qu'elle existe. Et l'objectif de la Fondation Saint-Hubert, dans le fond, c'est d'amasser des fonds au niveau national et de la redistribuer dans la communauté où est-ce qu'on est présent. Et la mission est vraiment d'améliorer la qualité de vie des communautés à l'intérieur desquelles on est présent. Donc, nous, ici, à Saint-Hyacinthe, on s'est donné comme mission de un peu favoriser, un peu de mettre l'emphase sur l'enfance. Effectivement, on vient d'avoir deux témoignages qui sont, et deux organismes qui sont directement liés à l'enfance. Ce n'est pas un hasard, c'est ma ligne de pensée à moi. Et c'est le pourquoi qu'on décide de créer une journée comme ça et d'aller ramasser 43 000 $ pour la redistribuer. Cette année, on ne s'est pas donné d'objectif parce qu'on trouvait déjà que l'année passée, pour en avoir fait des levées de fonds, là, l'année passée, c'était très exceptionnel. Cette année, on veut que ça soit extraordinaire. Donc, on ne se donne pas d'objectif, mais on sous-entend que. Pourquoi? Ben parce que effectivement aussi, je suis un petit gars de la ville, je suis un petit gars de Saint-Hyacinthe, je suis natif d'ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi au centre-ville, pour ceux qui me connaissent personnellement. J'ai connu ces environnements-là, j'ai été à l'école La Fontaine, j'ai connu un peu c'est quoi ça, et je suis j'ai eu une opportunité d'envie, j'ai grandi dans un environnement qui m'a permis de m'épanouir, mais je la connais, cette réalité-là. J'y vais encore au centre-ville. Je siège comme président du conseil d'administration de Grand Galop. J'ai des histoires comme ça. Moi, je viens, tantôt, là, on ne m'a pas vu, là, mais je viens les yeux tout dans l'eau parce que ça me touche. Pour vrai, moi, l'enfance, les enfants, c'est fragile. Puis c'est quelque chose qui me touche. Donc, c'est pour ça qu'on s'implique ici à la Rotisserie Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. Je vous remercie à tous, hein, tous les partenaires, Desjardins, la ville, les députés, les différents paliers de gouvernement. Tu sais, tout le monde donne, tout le monde. Puis cette année, on va essayer d'aller en chercher encore plus, mais c'est grâce aux corporatifs. C'est grâce aux corpos, c'est grâce aux entreprises qui y croient année après année. Là, on est à notre deuxième année, mais pour en avoir fait d'autres, les gens de Saint-Hyacinthe, la communauté d'affaires de Saint-Hyacinthe, on peut être fiers. On est une belle communauté. Les gens, quand tu leur expliques le pourquoi, ils rouvrent leur portefeuille. Là. On est tous des humains, on a tous ou à peu près tous des enfants, sauf toi qui as un chat. mais du moins, on peut être fiers de Saint-Hyacinthe. Monsieur le maire, vous pouvez être fiers de la communauté d'affaires que vous avez. Ils sont vraiment généreux. Donc, merci à tout le monde. Et c'est un rendez-vous pour qu'est-ce qui est de la petite histoire de la journée même. Donc, il y aura un dîner qui est un dîner un peu plus réseautage au prix de 50 $ du billet. On peut aller sur la plateforme vous aurez là, les communiqués de presse, mais il y a aussi une feuille pour, avec un code QR qu'on peut acheter nos billets, qu'on peut acheter notre table, vérifier notre page Facebook aussi. Et on va faire, nous aussi, la sollicitation en personne, parce que moi, j'aime ça, arriver en personne, jaser avec les gens, discuter, leur faire comprendre l'importance de la journée. 50 $ sur le dîner, dîner réseautage, on a du fun, un peu d'animation. On repart travailler. Et pour les gens qui préfèrent le souper, c'est un souper spectacle. Ça, il faut juste être prête à se coucher un peu plus tard. cette année, on a l'honneur d'avoir For the Party, qui est un band local, qui est Rémi Bazinet avec sa gang.
qui vont venir donner le spectacle. Donc, c'est une saveur locale en plus, c'est cool. Rémi qui connaît le marché, qui connaît le centre-ville, qui a eu son commerce au centre-ville pendant des années, il est encore au centre-ville techniquement, là, il est encore au centre-ville. Donc, Rémi, un homme de cœur aussi avec For the Party. Et pour le souper, ça commence vers les 17h, un cocktail en premier, un peu de réseautage. Après ça, il y aura de l'animation, des prix et des choses. Là. Donc, ben du fun pour ceux qui étaient là l'année passée, là, c'est ça. Il faut juste se préparer à se coucher un petit peu plus tard. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence. Merci de l'intérêt que vous avez pour l'événement aujourd'hui. Et je recède la parole. Le Grand Galop est fier et touché d'être invité à la Journée de l'avenir de la jeunesse. Pour nous, les enfants, c'est au cœur de notre pratique, puis on croit au plein potentiel de ces enfants-là. Ces journées-là permettent d'amasser des fonds et de pouvoir soutenir les enfants et leurs familles, puis leur donner de l'espoir que tout est possible et qu'ils ont un avenir... qui ont des possibilités d'avenir comme tous les autres enfants. La Journée pour l'avenir jeunesse Desjardins se déroule le 5 juin 2024 à la Rotisserie Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. Donc, on vous invite en grand nombre. Le principe est deux services différents. Donc, un service du dîner, qui est un service complet de repas, mais aussi pour lever des fonds, donc avec de l'animation, une belle journée, un beau dîner de réseautage aussi de gens d'affaires et de gens de la communauté. Et également un deuxième service qui est sur le souper. Donc, le souper a un coût de 75 $ qui nous donne accès à un souper réseautage, mais en plus, un souper spectacle. Donc, on a l'honneur d'avoir le groupe For the Party cette année qui sera là, un band mascoutin avec des membres mascoutins là, qui vont venir animer la fin de soirée. Donc, un beau souper spectacle, une belle soirée entre amis, entre collègues et dans notre communauté. Donc, tout ça pour lever des fonds le 5 juin 2024 pour la Journée pour l'avenir de la jeunesse Desjardins. Merci, vous êtes invités en grand nombre. Merci. TV. Ensemble pour notre communauté.